Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des histoires de Draenor, hein, avec toujours l'ambiguïté. Est-ce que c'est notre Draenor? Est-ce que c'est la Draenor alternative? Et bien on va continuer sur les épopées de Chronicle. Et donc, on va en reparler surtout dans la prochaine vidéo, mais c'est du Chronicle. Donc c'est en même temps notre Draenor, mais en même temps celle de Wood. Ça économise du temps de développement et, et du temps investi. Donc, nous allons pouvoir. Nous avions vu sur la vidéo précédente la naissance de la race Arakoa, son essor ainsi, en tant que civilisation Apexis, en tant que civilisation Apogide, puis sa chute brutale liée à la guerre civile, bien entendu, entre l'ordre d'Anar et l'ordre de Skalax, aboutissant à la destruction de la flèche brisée d'Arak, qui, lors du souffle de Rukmar, l'arme utilisée qui détruit la flèche, créant les flèches d'Arak. Eh bien, nous allons pouvoir continuer sur cette volée dans cette vidéo qui se concentrera sur l'Empire Gorien, mais également sur le devenir des Arakoa qui, bien du coup, ont complètement chuté en termes de civilisation. Et donc, eh bien, on avait déjà un peu parlé en parallèle de la civilisation Apogide que les lignées de Gronde, la lignée des Briseurs, qu'on appelle également les enfants de la pierre, eh bien, étaient en train de régresser, tout comme les primordiaux, donc la lignée justement des Génésors, les enfants des Mégaspores, etc. Eh bien, dans leur bataille, ils ont commencé à régresser. Au final, les Briseurs ont détruit les grands Génésors, etc. Mais de leur côté, avec cette espèce de malédiction de la chair propre à Draenor, issue des spores, des mégaspores, eh bien, petit à petit, ils régressent. Et donc, on avait vu que les enfants de la pierre, notamment les Magnarons, il n'y en avait plus. Et en l'occurrence, eh bien, les descendants de la lignée de Gronde se sont malgré tout multipliés. C'est juste que ils ont régressé en taille. Et en l'occurrence, les colosses, ça a l'air d'avoir disparu depuis un bon bout de temps, comme on en parlait. Et les Magnarons aussi, les Magnarons ou les Magnarons ont disparu à cette période. Et au final, eh bien, la dégénérescence des Briseurs à cause des primordiaux va mettre sur le devant de la scène une race spécifique de Briseurs, à savoir les Ogrons ou les Ogrones. D'ailleurs, c'est plus logique de dire Ogrones, je ne sais pas si vous avez déjà percuté, mais les Grones et les Ogrones, du coup. Parce qu'on dit, c'est vrai qu'en français, on dit les Grones, mais on dit les Ogrons. Alors que, en fait, c'est les Ogrones, du coup. Mais bon, après, vous prononcez comme vous voulez, encore une fois, pas de problème. Et contrairement aux Grones qui restent des êtres extrêmement solitaires et très territoriaux, eh bien les Ogrones sont plus petits et vont se rassembler en petits groupes afin de survivre. Alors quand on dit plus petit, c'est plus grand qu'un ogre, hein. Donc si un ogre c'est entre 2 et 3 mètres, un Ogrone c'est à peu près le double, hein. Donc c'est un bon pépère, hein. C'est juste qu'on est en train de faire une différence d'échelle entre des Grones qui peuvent atteindre des dizaines de mètres de haut, et un Ogrone qui est le plus petit par rapport à Magnaron, Colosse, Grone. Mais ça reste un bon pépère le machin. Et donc eh bien, ils vont se rassembler en petits groupes, ces Ogrones, afin de survivre. L'union fait la force et il va y avoir des tribus d'Ogrones qui vont rentrer en guerre les unes contre les autres. Les Ogrones étant extrêmement orgueilleux et facilement irritables, et les tribus d'Ogrones vont souvent se mettre sur la tronche pour des raisons assez banales. Donc c'est une race assez violente, qui récupère des terrains de chasse, des territoires importants. Plus le territoire est vaste, plus le terrain de chasse est important, et c'est une race qui mange bien, hein. Ils ont, c'est l'esprit rugby. c'est le plaisir de la bonne chair, tout ça, tout ça. Donc, même leurs cousins ogres et orques étaient d'ailleurs sur le menu, hein. Ils se font généralement attraper par les ogrons et ils se font bouffer. Donc c'est des êtres extrêmement effrayants pour les plus petites races. Et encore une fois, les ogrons et les orques, hein, généalogie sur les orques, ce sont ils sont membres de la lignée des Briseurs. Ce sont des cousins des ogrons, mais ça ne suffit pas. Les ogrons les bouffent. Donc ils se servent des orques et des ogres généralement comme nourriture. Comme esclaves également, pour les faire travailler, leur faire construire des choses, etc. Et parce que ça reste des organisateurs malgré tout, hein. Ils construisent, même si ça reste des structures assez basiques, eh bien ils ont des maisons, etc. Généralement qui sont
bien sûr sous une forme de pierre, mais malgré tout, eh bien, ça reste des bâtisseurs. Et donc, eh bien, ils se servent des esclaves ogres et orques pour construire leurs habitations. Et le sort, on va dire, le plus enviable de tous, et on va voir que, bon, enviable, c'est un petit mot, c'est d'être envoyé en tant que chair à canon dans des batailles avec d'autres tribus ogres. Eh oui, parce que en tant qu'esclaves, ils vont mourir à petit feu, sinon ils se font carrément bouffer, donc... C'est généralement le moindre mal pour ces esclaves qui ont été capturés, c'est généralement de mourir sur le champ de bataille, une mort rapide hein, face à des tribus ogron ennemies. Les membres malades, faibles et âgés des tribus ogron étaient généralement offerts en sacrifice vivant pour apaiser la colère des grons qui leur étaient supérieurs. Puisque les grons, eux aussi étaient extrêmement territoriaux et potentiellement, ils pouvaient à marcher sur les plates-bandes des ogrons, et donc pour calmer un petit peu pour ne pas irriter les grons, eh bien il y avait des véritables sacrifices qui pouvaient être faits. Alors sacrifice du coup de leurs propres membres, mais aussi évidemment des ogres, des orques, etc. Mais bon, un ogre, un orque, on imagine la différence de taille avec un grone, c'est pas le même repas. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de la loi du plus fort chez les ogrons. Et les grons, eux justement, sont beaucoup plus solitaires. Comme je disais, très territoriaux et extrêmement agressifs. Ce qui fait que quand un Gron rencontre un autre Gron, eh bien, ça fait des étincelles. Hein. Généralement, ils se foutent sur la tronche et ça peut être des duels qui vont jusqu'à la mort. Sinon, bah, le vainqueur prend le territoire du perdant, un petit peu comme dans le monde animal. Sauf que pour les autres briseurs, que ce soit les orques, les ogres ou les ogrons, les Gron apparaissent vraiment comme des dieux, en fait. Hein. Vous avez vraiment le délire, ce sont des dieux. Vous savez, pour ceux qui connaissent un petit peu le mythe de King Kong, eh bien vous avez un peu ce délire, vous savez, avec les sacrifices humains, etc., pour apaiser la colère du dieu Kong. C'est un petit peu le même, c'est un petit peu, je pense que c'est une des sources principales d'inspiration. Et au final, eh bien, les plus petits, les plus faibles de la lignée de Grond, qui sont eux-mêmes, encore une fois, des cousins des ogrons, sont les orques, qui vont compenser leur modeste physique par une intelligence féroce et surtout un besoin, un grand sens du collectif. L'importance de vivre en collectivité, parce que, bah, un petit peu comme les ogrons, c'est en s'unissant qu'ils vont survivre aux étendues sauvages et aux rudes conditions, alors qu'elles soient climatiques ou tout simplement les pressions environnementales hein, par les prédateurs, notamment les ogrons. Et au final, les orques, les ogrons restent des individus qui vivent en tribus, mais ça reste des tribus d'une vingtaine d'ogrons, alors que les orques vont se réunir en centaines de membres. Et au final, eh bien, pour survivre justement à la menace que représentent les grons et les ogrons, les orques et leurs cousins ogres, eh bien, vont vraiment chercher à éviter le plus possible leurs terribles cousins. Ce qui fait que les orques vont carrément, alors c'est pas le cas des ogres, on sait pas trop, enfin même si au final les ogres, on les connaît vivant dans des tertres, donc c'est possible aussi, mais c'est surtout les orques qui vont adopter un mode de vie très troglodyte, vivant dans d'immenses réseaux de cavernes, donc dans des complexes souterrains, qu'ils aménagent eux aussi en construisant, justement, en reliant des cavernes et autres. Et certes, ces cavernes n'ont pas forcément d'immenses ressources, que ce soit en termes de gibier et autres, mais c'est largement suffisant pour cette espèce qui, eh bien, en temps normal, si elle sortait de son mode de vie, eh bien, elle se ferait complètement bouffer par les ogrons. Donc, au final, pour le moment, c'est vrai que les orques sont une espèce qui n'est pas au sommet de la chaîne alimentaire, loin de là, et donc eh bien, c'est leur niche écologique qui leur permet de s'en sortir et d'avancer et de continuer de se développer. Les ogres, c'est un peu le même délire, mais en plus menaçant que les orques, évidemment. Et au cours des siècles qui suivirent l'effondrement de la civilisation apogide, revenons un petit peu sur nos Arakoa, eh bien, on sait qu'il y a des petits conclaves de l'ordre de Scalax, hein, donc des petits conclaves Scalaxi, qui vont apparaître un petit peu partout sur Draenor, avec justement eh bien, une recherche toujours plus profonde de la Terre, à la recherche du cristaux apogide qui avait été laissé par la civilisation Apexis. Et au final, l'objectif pour ces Scalaxi, c'est de récupérer ces cristaux pour à la fois renforcer leur intellect et leurs connaissances, redécouvrir les connaissances du passé à l'âge d'or des Arakoa, mais aussi pour préserver les merveilles, bien sûr, de la civilisation apogide, mais aussi éventuellement, eh bien, pourquoi pas, restaurer l'Empire Arakoa, en fait, hein, l'Empire Apexis. Et au final, eh bien, à un moment donné, il y a le chef d'un de ces conclaves, hein, qui s'appelle Yonzi, qui va
qui va découvrir une cache très importante d'artefacts apogides qui se retrouve sous les ruines d'une ancienne colonie Arakoa au nord-ouest de la zone qu'on appelle dorénavant Talador, qui en fait est occupée par des esclaves ogres qui bossent sous l'égide des ogrons. Et au final, Yanzi se dit qu'il ne pourra pas négocier avec les ogrons, puisque les ogrons sont vraiment des grosses brutasses qui n'hésitent pas à attaquer à vue et à tout bouffer. Et donc, Yanzi se dit que peut-être que s'il changeait l'échiquier, s'il changeait les pièces de l'échiquier, peut-être qu'il pourrait, en utilisant la ruse, il n'ira pas au Valhalla, mais on s'en fiche, Yanzi pourrait tout simplement réussir à mettre la main sur la cache sans sacrifier trop de ses troupes, puisque l'objectif c'est ils sont plus très nombreux dans les conclaves, donc essayer de préserver le maximum de vie à Arakoa. Et au final, pour ça ils vont approcher les esclaves des ogrons, à savoir les ogres, et ils vont commencer à leur enseigner les voies des arcanes, la magie, puisque les ogres, au final, même s'ils ne maîtrisent pas la magie, ils ont une affinité avec la magie qui est assez intéressante. Probablement leur lien vis-à-vis de Gronde et en tant que forgé par les titans, globalement. Même si c'est pas toujours, faut faire attention à pas toujours se dire, comme ce sont des forgés par les titans, ils maîtrisent la magie arcanique très facilement. Vous avez un très grand exemple, c'est les nains, c'est pas forcément le cas. Les nains, c'est pas des grands manieurs de sorts à la base, donc faut pas non plus dire que comme c'est des forgés par les titans et qu'ils descendent des titans, c'est bon, ils maîtrisent tous la magie arcanique. C'est pas forcément le cas. Mais en l'occurrence, les ogres sont assez, même si c'est pas du tout dans leur nature première, ils arrivent à très bien manier la magie. Et grâce à leur tuteur Arakoa. Et au final, ils vont leur apprendre à tirer, à puiser dans les énergies magiques latentes sous Draenor, tous les pouvoirs qui justement peuvent relier les différentes zones de Draenor, que la race aviaire appelle Rakshar. Donc Rakshar, c'est le nom de la planète, c'est le nom de Draenor donné par les Arakoa, qui signifie la pierre soleil, alors que les ogres appellent Draenor le monde des géants, à savoir Dogar, qui signifie tout simplement la terre connue, puisque c'est uniquement ce qu'ils connaissent. Et ce qui est rigolo, parce que c'est vrai qu'on n'arrête pas de dire Draenor, mais Draenor c'est un anachronisme, puisque Draenor c'est le nom que donnent les Draenei, qui sont toujours pas arrivés sur Draenor. On y reviendra plus tard, dans deux vidéos on y arrivera, mais pour le moment c'est pas le cas. Donc c'est vrai que dire Draenor c'est un anachronisme, puisque au final, là ça devrait être Rakshar ou Dogar. Même si je tiens à rappeler que à la base, ça c'est Burning Crusade qui a redcon le fait que les Draenei ne sont pas natifs de Draenor. Et pourquoi la planète on l'appelle Draenor? Parce que justement à la base c'était des habitants, des autochtones de Draenor. Donc c'est pour ça que ça s'appelle toujours Draenor d'ailleurs et qu'on l'utilise comme Draenor. Et c'est son premier nom aussi. Au final, on va avoir les Arakoa qui vont chercher à soulever une partie de la population ogre contre leur maître, et en ayant appris les pouvoirs arcaniques, ils vont pouvoir déchaîner la magie. Et au final, il va y avoir une rébellion comme prévu, avec un ogre très très efficace dans la maîtrise magique qui s'appelle Gog, qui va se rebeller comme prévu. Sauf que les Arakoa, eux, ils s'attendaient à ce qu'ils se rebellent contre les ogrons. Or Gog, lui, il est pas du tout en mode non, il faut pas s'attaquer aux ogrons. Pour pouvoir réussir à se rebeller ouvertement de manière générale et pouvoir rallier tous les ogres à sa bannière, lui il se dit c'est pas les ogrons qu'il faut attaquer, c'est les grons qui sont considérés comme des dieux par les ogrons, les ogres et les orques. Donc même si les orques sont complètement absents de l'équation, on s'en fout complètement ici. Et donc comme les ogres révèrent et craignent comme des dieux les grons, Gog se dit en abattant des grons, je serai l'égal des dieux, et à ce moment là si on n'a plus peur des grons, on n'aura absolument pas peur des ogrons. C'est ça son calcul stratégique, et ça marche très bien, même si les Arakoa sont abasourdis, puisque ils ne s'attendaient pas à ça, mais ils ne peuvent que constater les bons résultats qu'engrange Gog, puisqu'il ne va pas tuer un gron avec sa magie, mais plusieurs. Et au bout du cinquième gron abattu par le rebelle ogre, tous les ogres esclaves des grons, et des ogrons surtout, vont connaître les récits de ses exploits, et ça va vraiment dissiper la peur des grons, comme prévu par Gog.
Et à ce moment-là, si t'as plus peur des Grands, tu n'as plus peur des Ogrons. Et donc, sous la férule de Gog, eh bien, qu'on appelle maintenant Gog, le tueur de Grons, eh bien, les Ogres vont se soulever contre leur maître Grons. Ça va être une véritable guerre de libération sanglante, hein, puisque c'est pas juste la tribu de Gog, c'est à peu près partout que les Ogres se rebellent. Et au final, eh bien, avec la victoire de Gog, les Skalaxi vont pouvoir s'installer justement dans les profondeurs de la zone qui était contrôlée par les Ogrons et vont pouvoir récupérer leurs cristaux. Dans le même temps, Gog va unir les Ogres sous sa bannière. C'était ce qui était prévu contre les Grons, mais il va les garder unis sous sa bannière et il va devenir tout simplement Gorgog, à savoir le roi Gog, donc Gorgog, et il va renommer la cité qu'ils ont récupérée Goria, à savoir le trône du roi, donc Goria qui va devenir la capitale des Ogres. Et à ce moment-là, la grande surprise, c'est qu'il va ordonner aux Arakoa à qui il doit sa victoire, eh bien il va leur ordonner de se barrer, hein, sous peine de mort. Alors il aurait pu les tuer, il choisit de les exiler, de les bannir, pour les remercier, mais quand même, c'est pas très sympa parce qu'ils avaient un accord, tout ça. Et au final, pourquoi Gog fait ça? Eh bien, parce qu'il se rend compte qu'en utilisant les cristaux apogides, eh bien, il peut renforcer ses propres pouvoirs magiques. Et en plus, bah, en ayant buté leurs dieux, c'est vrai qu'on va pas se mentir, ils commencent à. Leur ego a été dopé, hein, et donc bah maintenant, pourquoi respecter les Arakoa alors qu'ils sont devenus les égaux des dieux? Et au final, eh bien, furieux, Yonzi et les siens, les Skalaxi, eh bien, vont partir en jurant de récupérer un jour leur dû, puisque bah, il faudra respecter l'accord. Et ils, du coup, eh bien, ils vont frapper en pleine nuit, à un moment donné, profiter des ombres de la nuit. Mais Gog et les siens vont riposter et s'attendaient aussi à une attaque des Arakoa. Et au départ, les Arakoa fonctionnent bien, arrivent à bien s'en sortir, arrivent à tuer les Ogres. Mais une fois l'effet de surprise passé, eh bien, les Ogres, largement plus nombreux, vont prendre le dessus. Et du coup, eh bien, les Arakoa, quelques Arakoa vont réussir à fuir. Mais globalement, la plupart vont se faire capturer, notamment Yonzi, qui se fait capturer et qui aura une mort très lente et douloureuse. Ce qui dissuadera d'ailleurs les Arakoa de revenir. Et ce qui va laisser, eh bien, le terrain aux Ogres qui vont, eh bien, pouvoir débuter ce qu'on appelle l'Empire Gorien. L'Empire Gorien, la récupération des cristaux apogides et le développement de cet empire, puisqu'il va prospérer très rapidement. Et encore une fois, l'utilisation des cristaux apogides va faciliter son expansion, puisque ça va amener les Ogres à être plus intelligents, à manier la magie plus intensément et avec plus de maîtrise. Donc, eh bien, ils vont devenir de plus en plus forts. Ils vont avoir une véritable administration centrale qui partira de Goria. On en reparlera en fin de vidéo quand on fera un point. Mais dites-vous que la pratique intensive de la magie va leur permettre, eh bien, de conquérir à peu près tous les territoires qui autrefois étaient occupés par les Grons et les Ogrons. Donc ça a quand même un petit effet secondaire, l'utilisation abusive de la magie, c'est qu'il va y avoir une mutation qui va apparaître chez certains Ogres. Alors c'est une mutation, ok, hein, mais c'est la poussée de deux têtes en l'occurrence, hein, c'est généralement donc chez les Ogres une marque de héros, une marque qui représente un individu d'exception, puisque naturellement, eh bien, certains Ogres vont naître avec deux têtes, ce qui généralement indique aussi un plein potentiel. Alors l'intellect, ça dépend, hein. Et encore une fois d'ailleurs, j'en profite pour débunker une petite idée reçue, ça c'est à cause de Cho'Gall, mais Cho'Gall, comme il a deux têtes, on se dit que c'est deux têtes, donc deux personnalités, enfin deux personnes. Cho'Gall est un seul et même être, c'est juste que c'est un être qui a deux personnalités, donc il a un trouble de la personnalité, Cho'Gall, et donc une tête considère être chaud et l'autre être Gall, mais en fait, quand on dit Cho'Gall, c'est au singulier, c'est un, enfin je dis un avec deux, c'est un ogre. C'est juste que lui, il a deux personnalités. Et par exemple, vous avez d'autres exemples d'ogres à deux têtes dans le lore de Warcraft qui sont une seule et même personne avec deux têtes. Et qui vont avoir, les deux têtes vont dire exactement la même chose en même temps. Vous avez par exemple Dantarg, hein, qui est l'un des plus connus. Dantarg, mais vous avez le cas aussi chez Mogor et l'empereur Margok ont également deux têtes et c'est une seule personnalité. Voilà, j'en profitais pour le rappeler. Avec le temps, les arcanistes goriens vont développer aussi des sorts pour reproduire l'effet de mutation avec l'apparition de deux têtes.
globalement faire pousser une deuxième tête aux ogres normaux pour accroître leur intelligence et leurs aptitudes magiques, parce que c'est surtout les aptitudes magiques qui vont être importantes. C'est d'ailleurs en fait alors c'est à l'époque de l'Empire Gorien, mais en fait ça tire son inspiration de Warcraft 2 avec le procédé que Gul'dan faisait à Warcraft 2, où il y avait déjà des ogres qui avaient deux têtes, mais Gul'dan va, on va dire, démocratiser le système pour créer ce qu'on appelle les ogres magie. Même si là ce sont des ogres qui manient la magie, ça n'en fait pas des ogres magie. Les ogres magie c'est bien plus tard, attention à pas faire d'anachronisme. Et du coup les ogres magie c'est les ogres que Gul'dan a créés artificiellement en utilisant la magie, cette fois-ci démoniaque, pour accélérer et pour faire apparaître le processus. L'idée c'est d'avoir... Imaginez qu'un ogre c'est déjà extrêmement dangereux, le machin fait 3 mètres de haut, il a une force titanesque. Alors si en plus bah, il est capable de lancer des pouvoirs magiques et qu'il est un peu plus intelligent que la moyenne, donc il peut écouter et mieux comprendre les ordres qu'on lui donne, ça en fait des soldats extrêmement dangereux. Et donc ça c'est le processus que l'Empire Gorien va également effectuer. Alors le petit bémol je trouve, je mets une petite critique là-dessus, c'est que bah, c'est pour faire clin d'œil à Warcraft 2, sauf que bah, Warcraft 2 se passe des milliers d'années plus tard. Donc ça réduit l'impact que Gul'dan fait, et surtout en fait là, parce qu'on pourrait se dire bon c'est pas très grave, au final c'est presque un clin d'œil, tout ça, tout ça. En fait le bémol c'est que on sait que l'Empire Gorien est calqué sur l'Empire romain d'Occident, avec vraiment cette idée d'une espèce d'aristocratie où l'élite veut contrôler le peuple et l'élite ne laisse que très peu de place au reste. Donc le côté un ogre qui va aider un autre ogre à faire son ascension et potentiellement du coup créer un rival en lui donnant deux têtes, c'est pas du tout le délire de l'Empire Gorien. L'Empire Gorien, c'est un empereur avec sa cour et le reste, c'est de la merde qu'on envoie conquérir pour son profit personnel. Donc ça fait un petit peu trop. Ça fait un petit peu trop empathique, je dirais, pour les ogres. Et ça n'a pas du tout été évoqué, parce que ce qu'ils auraient pu faire, c'est juste que c'est très rare, c'est pour célébrer des grands héros de l'Empire Gorien, etc. Mais ça n'a pas du tout été précisé par Chronicle, ce qui est un petit peu dommage, parce que d'un côté, on dit que bah, l'empereur, etc., sont très à cheval sur le pouvoir, très... Et au final, bah, derrière, on te dit, ouais, bah, il donne deux têtes, il crée le processus, il donne deux têtes sans préciser vraiment. Que je trouve pas terrible à ce niveau-là. Mais dans tous les cas, la révolution des ogres va avoir des effets, des conséquences terribles, enfin ça dépend du point de vue bien sûr, mais va avoir des effets secondaires considérables sur la chaîne alimentaire de Draenor, parce qu'on parle vraiment de chaîne alimentaire. C'est aussi une, bien sûr, la hiérarchie des pouvoirs sur Draenor, mais là, vu que c'est des races qui se bouffent entre elles, bon, on est vraiment sur la chaîne alimentaire. Et l'affaiblissement des Grons et des Ogrons, eh bien, va justement réduire la pression environnementale que subissent certaines races, notamment les orques, qui vont leur permettre de conquérir de nouvelles niches écologiques et de sortir de leur aspect troglodyte pour leur offrir des territoires, des terrains de chasse un peu plus ouverts. Et ça, gardez-le à l'esprit parce qu'on y reviendra dans la prochaine vidéo. Donc, en parallèle de l'épanouissement de la lignée de Gronde, à savoir les ogres, bien sûr, qui commencent à devenir la première puissance de Draenor, et la nouvelle chaîne alimentaire, notamment avec la sortie des orques de leur caverne, eh bien, l'affaiblissement des Grons et des Ogrons va également profiter un petit peu. Alors, pas tant que ça, parce que eux, il n'y avait plus beaucoup de Grons et d'Ogrons qui sont plus au nord, mais ça va profiter aussi aux Arakoa, qui aspirent également à un renouveau dans leur société, et pourquoi pas à restaurer l'Empire Apogide. Sauf que on a vu les Skalaxies qui vivent en conclave un peu partout, et ça va les aider d'ailleurs, hein, les Skalaxies, à potentiellement étendre un peu leur territoire, même si ça reste bah, des poches, hein, c'est vraiment des poches de territoire à Arakoa. Eh bien, pour le coup, les Anari, eux, fonctionnent différemment, parce qu'ils restent des Anari, mais qui sont rassemblés pas en plein petit conclave comme les Skalaxies, mais en une seule entité politique, à savoir les Flèches d'Arrak. Ils restent autour de leur maison d'origine, j'ai envie de dire, dans une société qui s'est construite autour d'une monarchie. Et c'est un système monarchique avec eh bien, tout simplement, donc une lignée royale qui gouverne avec comme conseiller des prêtres de l'ordre d'Anar. Pour ce qui est des ogres, là on va faire une parenthèse, c'est pas une parenthèse, on va parler des Arakoa, mais imaginez bien que c'est vraiment en parallèle. On reviendra sur les ogres en fin de vidéo pour l'Empire Gorien. Et en l'occurrence, eh bien, 600 ans avant l'ouverture de la porte des ténèbres, le roi des Anari
de l'époque, eh bien, s'appelle T-Rock. C'est peut-être un nom qui vous parle. En tout cas, il vous parlera après cette vidéo, bien entendu, puisque le roi T-Rock appartenait donc à la lignée royale Anari. Comme je disais, qui gouverne avec l'aide des conseillers politiques et religieux des prêtres de l'ordre d'Anar. Et lui et sa fille, qui s'appelle Lithic, eh bien, sont très aimés du peuple et vont avoir un destin assez exceptionnel, puisque eh bien, ils vont continuer à se battre, puisqu'ils ont de nombreux ennemis, les Arakoa. L'ordre, enfin, la monarchie, donc la royauté, doit, même s'il n'y a plus les Ogron, enfin pas autant d'Ogron, les Ogron et les Gron ne sont pas disparus, c'est juste que, eh bien, ils sont réduits en nombre, et en l'occurrence, eh bien, ils ont malgré tout des ennemis. Par exemple, on a les enfants de Seth qui reviennent en forme depuis que l'Empire Apogite s'est détruit. Eh bien, globalement, ça a permis de relâcher aussi la tension. Et donc, eh bien, certaines espèces se sont développées, notamment les enfants de Seth. Alors, les enfants de Seth, c'est quoi? Ce sont des serpents des vents, un géant, hein, globalement, c'est ça. Et nous avons aussi, par exemple, des incursions ogres qui vont apparaître dans les flèches d'Arak. Et nous avons bien sûr bah, les Scalaxies qui se battent toujours avec les Anari, même si c'est pas une énorme guerre civile comme on a pu le voir sur la fin de l'Empire Apogide. Mais il y a toujours des rivalités entre les Anari et les Scalaxies. Mais surtout, le plus grand rival des Anari à ce moment-là dans les Flèches d'Arak, eh bien, c'est une race féline, les Sabrons. Cette race, eh bien, elle a continué son évolution avec la régression des Primordiaux et des Briseurs. Et ensuite, avec la chute des Apogides, comme je vous le disais, eh bien, ça a donné un second souffle, ça a donné un élan à cette espèce qui vont eh bien, devenir de plus en plus téméraires, de plus en plus dangereux, de plus en plus développés, de plus en plus hiérarchisés. Et il va carrément y avoir eh bien, une union des tribus Sabrones avec un chef de guerre qui va apparaître, un chef qui unit les tribus qui s'appelle Karrash. Karrash qui va eh bien, s'enorgueillir de son pouvoir montant, puisque c'est la première fois qu'il y a une union d'une telle envergure pour les tribus Sabrones. Et au final, il va mener sa tribu principale, les Crains de Sang, les Bloodmane, à conquérir activement les territoires Anari, puisqu'il considère que maintenant c'est à eux de régner. Et malgré leur aspect bestial, et on va pas se mentir, très limité, hein, ça reste des teubés, hein, complètement, les Sabrons, mais ils ont quand même des rudiments technologiques, notamment des espèces de balistes géantes qui tirent des bolas, en fait, hein, donc c'est des espèces de filets retenus par des énormes pierres pour capturer notamment les Arakoa, puis ensuite les achever. L'idée, c'est de, pendant que les Arakoa, eh bien, dominent le ciel, il faut trouver une arme pour les faire tomber, et à ce moment-là, les Sabrons les bouffent, enfin les tuent, puis les bouffent. Ils aiment bien le poulet, quoi. Globalement, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne connaît pas tant que ça. Enfin, les Sabrons ont été très peu développés par Warlord of Draenor, mais avec l'archéologie, on a 2-3 infos, et Chronicle, d'ailleurs, on avait un peu rien à foutre hein, des Sabrons. Globalement, c'est la seule période où ils sont évoqués. Et les Sabrons, eh ben, en fait, dans l'idée, ça ressemble un peu à des Furlbogs, mais en version tigre à dents de sabre. Puisque l'idée c'est que c'est des... c'est une insulte pour les Furlbox, qui sont beaucoup plus intelligents les Furlbox quand même. Mais l'idée c'est que bah, les Sabrons là on est sur leur... C'est même pas la proto-histoire, parce que là en gros faut imaginer que c'est... Ils viennent d'atteindre le moment où ils commencent à être les espèces d'hommes des cavernes. Donc c'est les premières espèces intelligentes qui vénèrent donc des cultes chamaniques. Et qui vénèrent les esprits, que ce soit des esprits élémentaires ou les esprits plus classiques. Et on peut imaginer des espèces d'anciens, tels Scenarius Malorn, mais version Draenor. Donc ils prient ce genre de... C'est un de leurs cultes. Donc ils ont quand même une certaine... Il y a un début de culture, on va dire. Même si ça reste des bons boulets. Et au final, eh bien, les troupes Arakoa, comme on l'a dit, cette attaque systématique des Sabrons en essayant d'aller attraper les Arakoa dans le ciel, etc. Ils vont commencer à avoir un effet, ça va avoir un effet dévastateur sur les Arakoa qui vont essuyer de plus en plus de lourdes pertes. Au départ, c'était bon, 2-3 individus, tout ça. Ça va commencer à se calculer en centaines et ça va inquiéter véritablement là. Ça va être un véritable choc et un traumatisme pour la civilisation Arakoa qui commence à perdre du terrain face aux Sabrons. Et au final, eh bien, ils vont même aller jusqu'à remettre leur foi en Rukmar en question, parce que comment ces êtres inférieurs peuvent détruire aussi facilement les Arakoa, les élus de Rukmar?
Et pour donc là, il y a vraiment un trouble dans la société qui s'organise. Et pour lutter contre ça, eh bien, c'est T'Rok, le roi, qui va choisir d'intervenir personnellement en frappant ponctuellement des camps, justement, Sabron. D'abord seul, il va ensuite inspirer ses meilleurs guerriers à le suivre dans ses frappes, justement, dans ses frappes punitives, dans ses expéditions punitives. Et finalement, eh bien, T'Rok va réussir à tuer, va réussir à défier Karrasch en 1v1, et il va le tuer, mettant fin à l'union des tribus Sabron. Et donc, eh bien, il va revenir au sein de la civilisation Arakoa, au sein des Anari, en tant que grand vainqueur. C'est un véritable triomphe pour lui, qui le peuple déjà l'aimait avant, mais alors là, c'est un véritable triomphe. Hein. Il revient en tant que héros. Et il va profiter de sa légitimité nouvellement acquise, le roi T'Rok, pour construire une nouvelle cité, l'Orée du Ciel, sur les ruines apogines de l'ancienne flèche. Donc ça, c'est une création de Chronicle que j'ai du mal à accepter. Parce que l'idée que T'Rok ait battu les Sabrons et tout, j'ai rien contre ça. Le bémol, c'est aussi que la fille de T'Rok ne fait rien, en fait. Hein, c'est juste « Oh, ma petite chérie, elle est toute mignonne ». Et en fait, l'idée que T'Rok, il fait partie d'une longue lignée de rois Arakoa, et que l'idée, c'est que c'est lui qui construit l'Orée du Ciel, la grande cité des Hauts, ce qu'on appelle les Hauts, les Arakoa, qui restent fidèles dans l'esprit de l'Empire Apogite, tout ça, tout ça. J'ai beaucoup de mal, parce que ça veut dire qu'en fait, T'Rok, c'est lui qui a tout fait, tout construit, tout ça. Déjà, c'est lui qui va buter en 1v1, et qui va, au départ, être tout seul à se battre contre les Sabrons. J'ai un peu de mal avec ça. C'est vraiment le roi parfait, il est parfait, il est trop bien, il est génial. J'ai un petit peu de mal avec ça. Et il va aller jusqu'à institutionnaliser la société, notamment en codifiant et en créant, on va dire, de nouveaux aspects du droit. Donc c'est un peu le créateur du code civil. Et il va limiter le pouvoir de l'ordre d'Anar, puisque globalement, lui, il veut partager la connaissance et la sagesse, contrairement à l'ordre d'Anar. Ça vous rappellera l'une des raisons de la guerre civile de l'Empire Apogide. Puisque l'ordre d'Anar, eux, eh ben, ils veulent diriger la population et donc laisser la population absente de réflexion, on va dire, et absente de sagesse, de connaissance, eh bien, ils peuvent les laisser dans l'obscurité et à ce moment-là, eh bien, plus facilement les gouverner. Ça fait une population plus malléable, etc. Donc T'Rok, lui, il veut pas de ça, il veut partager les connaissances pour revenir à l'idée de l'Empire Apogide. Hein, vraiment, il est tout simplement dans cette continuité. Sauf que du coup, l'ordre d'Anari va pas du tout apprécier l'ordre d'Anar, vont vraiment pas apprécier d'être mis de côté, et ils vont véritablement prendre ombrage de la situation, ce qui va les amener à conspirer et à vouloir renverser T'Rok de son trône. Et ils vont utiliser son unique faiblesse, sa fille, pour l'attraper, et finalement, eh bien, ils vont leur couper les ailes à tous les deux et les jeter des hauteurs de l'Orée du Ciel vers le creux de Setek. Au final, en les jetant du creux de Setek, enfin en les jetant d'Orée du Ciel, ils vont retomber dans le creux de Setek, ce qui, la chute va tuer la fille de T'Rok, à savoir Lytik, sur le coup. Et là, c'est vraiment, la fille, elle est juste là pour être capturée, et du coup la fille, la faiblesse de T'Rok, elle aura rien fait de son vivant à part être la princesse en détresse, tuée sur le coup. T'Rok lui survit, mais il est gravement blessé, et surtout il est fou de chagrin, donc pète un plomb, hein. Et le truc, c'est que le creux de Setek, on en avait parlé lors de la vidéo sur les Arakoa, c'est que c'est un endroit extrêmement corrompu, ou l'endroit où Anzu avait tué Seth et l'avait relâché. Sauf que le sang de Seth qui était resté, enfin il l'a pas relâché parce qu'il l'a bouffé, mais en gros le sang qui était resté, eh bien, a corrompu la terre, et au final, eh bien, va corrompre T'Rok. Mais T'Rok n'est pas le seul à avoir été jeté, on a dit, il y avait sa fille, mais il y a aussi d'autres Arakoa, des fidèles de T'Rok, ou des opposants à l'ordre d'Anar. Donc il y a plein de mecs qui ont été jetés d'Orée du Ciel. Il y a une véritable, c'est une véritable Saint-Barthélemy sur l'Orée du Ciel, hein, où tous les partisans de T'Rok sont dégagés. Et ils vont tous être contaminés par le sang de Seth, ce qui va les faire évoluer, ce qui va modifier leur forme physique. Leur forme physique va s'atrophier petit à petit, leur corps va se dessécher, se contorsionner dans tous les sens, et ils vont perdre, bon, de toute façon on leur avait coupé les ailes, mais ils vont encore plus véritablement perdre leur capacité de voler. Ils ne deviennent que les ombres d'eux-mêmes, et ce qui est intéressant, c'est que ils sont condamnés à une existence pervertie de paria, et ça doit vous rappeler quelque chose, puisque au bord du désespoir,
Terok, eh bien, va entendre, va avoir une présence qui va s'insinuer dans son esprit. Et ce n'est pas Seth, ce n'est pas un dieu très ancien ou autre, non. Il s'agit d'Anzu qui va le contacter dans son esprit et qui va essayer de le guider vers la salvation, hein, qui va le guider vers la lumière. Un être qui, au final, jadis, avait connu un destin similaire, le dieu corbeau Anzu, qui est de retour et, au final, montre sa présence à ses parias Arakoa. Il va, du coup, Terok va rallier les autres hauts Arakoa corrompus qui avaient été jetés de l'orée du ciel et qui vont eh bien, se rassembler autour pour prêcher la parole d'Anzu, en fait. Hein. Et Anzu va carrément leur enseigner, donc à Terok et à ses compagnons, il va leur enseigner le maniement des pouvoirs occultes, hein, les pouvoirs obscurs, et aussi de la sorcellerie arcanique. Ce qui fait qu'avec la corruption de Seth, eh bien, ils ont accès à un nouveau collège de magie, notamment toute la magie noire, et surtout la maîtrise de la magie noire, qui était déjà possible, mais encore... Voilà, ils ont vraiment des affinités spécifiques avec la magie noire, et ils vont adopter le nom de prêtre de la serre, en référence bien sûr à leur dieu Anzu. Donc, Terok et les siens, sous la guidance d'Anzu, vont aussi construire une ville, une nouvelle grande ville qui s'appelle Sketis et qui servira de ville-refuge, un véritable sanctuaire sur les ruines d'une ancienne cité apogide, Sketis, située au nord des Flèches d'Arak. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, du coup, comme je vous le disais, Terok, c'est vraiment le super Arakoa, et c'est vrai que quand on enlève Terok de l'histoire Arakoa, bah... Parce que globalement, il a créé Aurée du Ciel, il a créé Sketis, c'est les deux grandes cités Arakoa. Il a tout fait. C'est un peu le John Rambo des Arakoa. Et je trouve que ça perd un peu en pertinence. Alors, son histoire est intéressante, mais ça perd un peu en efficacité quand le mec, il a tout fait. C'est un génie militaire, un génie politique, un génie juridique. Même quand il est dégagé, etc. Même exilé sur... sur Sainte-Hélène, il revient et il te refait un nouvel empire et tout. Même Napoléon, c'est une merde à côté de Terok. Hein. C'est assez impressionnant. Donc, là-dessus, j'ai un peu plus de mal. Et au final, eh bien, le Sketis, et donc il va y avoir un véritable foisonnement de l'activité des parias Arakoa, qui vont, eh bien, ce qu'on appelle les parias, hein, bien sûr, qui sont des anciens hauts Arakoa, Anari, qui ont été corrompus par le sang de Seth, et donc qui forment une nouvelle catégorie d'Arakoa, eh bien, vont se déployer, comme je le disais, au nord des Flèches d'Arak, mais aussi au sud de la zone de Talador, qui va passer sous le contrôle des prêtres de la serre, et ce qui va, eh bien, donner le nom de cet endroit en hommage à Terok, et donc, eh bien, c'est ce qui va aujourd'hui donner le nom de la forêt de Terokar. À partir de ce moment-là, Talador, eh bien, va s'appeler la forêt de Terokar. Depuis ce jour, d'ailleurs, l'orée du ciel n'est plus gouvernée par un roi, mais par les adhérents de Rukmar. C'est le nom que les prêtres de l'ordre d'Anar se sont donnés suite à leur victoire sur Terok. Donc, d'un côté, on a les adhérents de Rukmar qui ont pris le contrôle d'orée du ciel et qui dégagent tous ceux qui seraient des fidèles de Terok. On a Terok qui récupère les parias et qui crée tout simplement donc Sketis et qui vont rejoindre la forêt de Terokar. Et on a encore les conclaves Scalaxy qui sont disséminés un peu partout sur Draenor. Ce qui fait que la société Arakoa va se diviser en trois grands groupes. Et au final, la forêt de Terokar va être un véritable havre de paix. Ça marche pas trop, mais un véritable sanctuaire, comme je le disais, pour les Arakoa parias qui vont... Eh bien, être extrêmement défensifs et qui vont... cette forêt, pour eux, c'est vraiment la forêt sacrée où ils ont l'héritage d'Anzu et de Terok. Ce qui fait qu'ils vont se battre comme des chiffonniers et ils vont réussir à bloquer les invasions ogres successives qui tentent de pénétrer les flèches d'Arak. Et donc, la forêt de Terokar, eh bien, va servir de bouclier. Et sans le savoir, eh bien, les adhérents de Rukmar seront protégés par les parias Arakoa et leur installation de Sketis dans la forêt de Terokar. Donc, ça va résister au final aux invasions de l'Empire Gorien, mais pendant ce temps, l'Empire Gorien, il continue à s'étendre sur le continent, comme je l'évoquais plus tôt, et à dévorer absolument toute opposition. Sauf Terokar, comme je le disais, où ils vont essuyer de nombreux échecs, mais il y a des affrontements très violents qui vont avoir lieu entre les Arakoa et les Ogres. Mais comme je le disais, en parallèle, donc on a la création d'Orée du Ciel où les adhérents de Rukmar, les hauts Arakoa, vont rester en place. Et Sketis, la ville qui a été fondée par Terok et Anzu, où les parias Arakoa vont s'abriter.
Mais au final, en dehors de cette zone, l'Empire Gorien phagocyte absolument tout sur son passage. Il détruit tout sur son passage. C'est une expansion véritablement phénoménale. Et comme je le disais, en dehors de l'échec de Terrokar, l'Empire est inarrêtable. Il est véritablement au sommet de sa puissance. L'Empire Gorien va conquérir de vastes portions de territoire très lointains notamment, hein, parce qu'on voit par exemple Goria qui reste la Rome, hein, de l'Empire Gorien. C'est vraiment le centre, la capitale politique, magique, militaire de l'Empire. Mais en fait, eh bien, ils vont commencer à vraiment à s'étendre partout, notamment les deux grandes cités, les deux grandes métropoles ogres qu'on connaît sous le nom de Cognefort, donc Aimol et la citadelle de Fleshlam. Mais on va les retrouver, on retrouve des traces de cités ogres au niveau de Gorgrond, au niveau de la jungle de Tanaan, au niveau d'Ashran, au niveau de Farallon tout au nord, hein, l'île de Farallon tout au nord. On a aussi une île au sud-ouest qui était censée être Aimol dans sa première version, qui était au sud-ouest. Mais aussi carrément le continent ogre, hein, qui, même s'il n'est pas présent dans World of Draenor, vous l'avez sur la carte. Et il a été canonisé notamment par l'archéologie. Au final, le continent ogre, on a peu de détails sur lui, mais on sait que bah, ils ont carrément conquis tout un nouveau continent au sud de Draenor, et qu'on appelle aujourd'hui le continent ogre. Alors, il pourrait, c'est pas sûr, mais il pourrait porter le nom d'Ogrilla. C'est une des suppositions qui avait été faite, parce que les territoires ogres, etc., bah, il y avait le Ogrilla, donc même si c'est pas canonique, ça, le continent ogre, il s'appelle, mais ça pourrait être Ogrilla. Et au final, c'est vraiment impressionnant la capacité de l'Empire Gorien. Je veux dire, même l'Empire Apogide n'avait pas atteint de telles frontières en fait. On avait développé conquis un tel territoire. Hein. Vraiment là, c'est une conquête inarrêtable pour l'Empire Gorien. On se dit que rien ne va pouvoir les arrêter. Il y a quelques petits échecs. On évoquait Terrokar, bien sûr, qui est notamment Arrak, qui reste inaccessible pour l'Empire Gorien grâce aux Arakoa qui se défendent vaillamment. On a Farallon qui reste un endroit difficile de conquête au nord-est, parce que c'est en fait c'est un peu l'idée de la Grande-Bretagne pour l'Empire romain. Donc ils y arrivent, ils ont réussi à s'installer, mais ils ne récupèrent qu'une portion du territoire parce que ils sont en plein cœur de ce qui reste de la civilisation Botany et des primordiaux. Donc bon bah ils galèrent très fort, et on a toujours bien entendu quand même des Grones et des Ogrones, notamment au niveau de Gorgrond. Mais globalement, eh bien, ça reste que des petits détails. Ça reste des petits détails. Ils récupèrent une grande partie du territoire. Donc, comme on le disait, eh bien, rien ne semble pouvoir les arrêter, ces ogres. L'Empire Gorien est au summum de sa puissance. Rien véritablement de préoccupant pour eux. Mais cela n'allait pas durer, puisque l'âge des orques allait arriver. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur l'Empire Gorien et la période de Terrok. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos, notamment la prochaine, la suite sera évidemment la montée au pouvoir des orques, et celle d'après ce sera l'arrivée des Draenei sur Draenor, hein, qui donnent leur nom à la planète. Donc voilà, j'espère que le programme continue de vous plaire, sachant qu'il y aura le très gros morceau de l'ascension de la Horde ensuite, et bien sûr la vidéo sur Warlord of Draenor, dont cette vidéo est évidemment une vidéo directement connexe, annexe de celle de Wood. Voilà, merci à tous. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus dans le Nexus. Oh, c'est pas la bonne voix. Je suis un ogre. J'ai très très faim. Donc si vous voulez pas que je vous bouffe, n'hésitez pas à aller suivre les réseaux sociaux. Le YouTube, n'hésite pas à liker, à commenter la vidéo pour augmenter sa visibilité. Oui, je suis la tête qui est sur le côté, et si tu veux pas mourir par ma magie, t'as intérêt à le faire. Voilà, bisous.